Bonjour, bonjour. Et pendant que les paillots là sont en train de dire des trucs pas intéressants, vraiment vous êtes des merdes. Oh ta gueule toi. Oh Yanis, pour l'amour de Dieu, pitié. Copenhague jour 2 les amis. On a encore des choses à faire, mais je suis dans une merde noire. Je suis censé sortir une vidéo ce soir et j'ai toujours rien de prévu. J'ai pas d'idées. Enfin si, j'ai des idées, mais elles sont toutes nulles. Ils m'ont sorti des bonnes idées, mais dans la pratique, c'est difficile. Franchement, je sais pas comment on va faire. Ah, t'en as deux, toi. Ouais. T'en as une où juste tu gueules pendant 10 secondes, et t'en as une autre si tu mets juste un lien vers une vidéo. On est tous à la salle de sport. Je te dis un peu plus. C'est vrai que j'ai eu des idées pas terribles non plus. Donc la vidéo, là, quand vous me regardez, elle est déjà sortie. Mais sachez que c'est la vidéo de la honte et on va essayer de la trouver à la ZUP. Bref. On va à Copenhague Centre aujourd'hui, Château de Rosenborg, Parc Trivoli machin, le centre-ville, et aussi un passage à l'Event CS, parce qu'il y a un Event CSGO, et il y a des mecs de chez Vitality qui m'ont gentiment réservé des places. Il y a plein de monde, pas de masque, la folie. Dans le centre de Copenhague, il y a un parc d'attractions très stylé qui s'appelle Tivoli. On ira peut-être à l'intérieur, mais regardez l'entrée. Franchement, tu regardes l'intérieur, ça a l'air flow, il y a full déco et tout. Incroyable. Et juste à côté, c'est là où on va. Il y a un centre-ville, il y a un centre-ville qui ressemble beaucoup plus à une sorte de centre-ville européen. Avec des rues, des boutiques classiques, machin. Mais qui relie du coup toute la ville, quoi. Avec notamment l'hôtel de ville, le château de Rosenborg, ça c'est le château que j'ai envie qu'on aille voir. Et après derrière, le quartier de Norbro, on m'a dit qu'il était sympa aussi. Un jour de visite. Sous ce beau temps, profiter du temps danois. Il y a un gars sur Twitter, il a mis une théorie dans mes mentions, j'étais mort de rire. Il a mis, les pays nordiques, ils font tout pour te rendre la vie agréable, pour que tu restes avec eux dans le froid, alors que les pays du sud, il fait chaud et ils font tout pour que tu partes. c'est une théorie qui se creuse, ça se creuse. T'en penses quoi de cette théorie? Ah, chier la merde. De la merde? Ouais, j'ai pas entendu, mais... Écoutez, devant tant d'aplomb. Et on commence gentiment cette visite, et vous l'entendez, par le magnifique, et je le trouve vraiment très beau. Dégueulasse. T'as dit quoi, Garcia? Super beau. Par le dégueulasse. Hôtel de ville de Copenhague, qui symbolise le début du centre-ville, que voici. Hop. Bon, vu que j'aime bien rajouter également un peu d'histoire, il a été construit en 1892 par l'architecte Martin Nirop. Je pense pas qu'il l'ait construit directement lui, je pense pas qu'il ait mis les mains dans le cambouis. Il y a dû avoir beaucoup de gens qui s'y sont attelés, mais entre ça, le sapin, un centre commercial là, et les rues commerçantes là-bas, là t'es vraiment dans le centre-ville, et c'est là où tu retrouves un peu une vibe que tu peux retrouver dans d'autres villes européennes, tu vois. Ça ressemble aussi par exemple à un centre-ville style Copenhague. Un centre-ville style Copenhague. C'est un centre-ville d'un style que tu peux trouver à Prague, tu peux trouver à Vienne, tu peux trouver dans plein d'autres villes, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en Europe on a un certain style et une proximité, mais il est massif, hein. En haut il y a des statues. Et surtout, il y a un truc que moi j'aime bien, il y a des parures d'or et tout, donc ça envoie. Genre, t'es devant le truc, tu prends quoi. Et juste à côté, il y a toujours Tivoli. Eh, on parle souvent de gastronomie française, mais quand tu regardes les restos dehors et tout, ça a l'air dégueulasse. C'est les sushis et les pizzas, genre c'est la gastronomie asiatique ou italienne qui s'est le plus exportée en vrai. C'est plus dur à faire, tu vois, mais tu vois pas. On a pas de trucs cheapos et tout, nous, notre plus bouffe à nous, c'est des vrais restos. Ah, parce que c'est vrai que tu vois pas un mec, allez, je te fais un bœuf bourguignon en 10 minutes quoi. Après, hier, on a mangé dans un resto où. Food. Bon, après, il avait fusion un peu que le nom. Fusion française danoise hier, c'était. On est comme venu à Copenhague pour goûter les moules quoi. Moules frites, c'est stylé, c'est de la mer. En plus, on avait pris des petits sandwichs ouverts danois. En fait, pour une vidéo, j'ai regardé les spécialités danoises et c'est littéralement des sandwichs ouverts, sinon ils ont pas grand chose de spécialité. Des tartines, ouais. Et c'est vrai que la cuisine française, on a grosse réputation et je la kiffe. C'est vrai que t'en vois moins de restos du coup. Sans doute parce que c'est moins ouvert. Enfin, c'est moins fast food, tu vois. C'est la cuisine de standing en fait, donc c'est des restos vraiment. Ah, c'est la cuisine de standing. Ça, c'est un mec qui a fait de. L'international, la diplomatie. J'ai fait l'école Bocuse à Lyon. Ah, ouais. Si. Ouais. Vous étiez dans la même promotion, non? Ouais, exactement. Avec Kevin, ouais. Je vous irai tous les deux. Comme quoi, tu peux aussi trouver des trésors à tous les coins de rue. On sort à droite, il y a un petit marché de Noël. C'est mignon. À gauche, non. À gauche, c'est un peu moins l'ambiance, quoi. C'est sympa. Plutôt pas mal. Très bizarre l'ambiance, là, quand même. Hein. Très accueillant, Copenhague. Je vais venir y vivre. Endroits Instagram map de la ville. Tu vas sur Insta, tu tapes ce passage,
Jorque Passage. Je te parie qu'il y a des choses à voir. Je suis mon œil, c'est enculé. Tu sais que là, petite ambiance tamisée et tout. Tu l'as ton sujet de vidéo. Ça me donne envie de vous faire des bisous. J'aime bien cette idée, le mec bizarre. Je suis là, je. Après, vous leur demandez ensemble, en fait, si vous voulez. Ça me regarde, bien sûr. Moi, je pose des facts, hein, vous en faites ce que vous voulez, les mecs. Hein. Quelle fierté. La Zac Cup en direct pendant qu'on est à Copenhague. On fait travailler des frérots pendant qu'il y en a juste ici qui pensent qu'à niquer mon plan. Petit bâtard. Ouais. Super la Zac. Zac Cup hashtag 2. Les VOD déjà disponibles. Ils se foutent de ma gueule. Hein. Ce personnage ici, qui est relativement frais, ouais. C'est honteux. Et avec les meufs, c'était comment? C'est important. Ah, c'était pas fou. Ah ouais, j'étais à la mode à un moment. Ouais, mais j'ai fait ça. Attends, et t'as fait ça pourquoi? Tu t'es dit CR7 mèche blonde? Non, pas du tout, j'ai juste voir la tête que j'avais en blond. Et du coup, Verdi? Je suis mûr, moi. Il a jamais reconnu. Il y a des personnes, elles sont dans des formes imbattables. CR7 mèche blonde, les serveurs qui mettent 1h50 à venir te servir un plat et qui râlent pour payer, comme on vient d'avoir. Et dernier truc, Zach, quand il a le combo veste fermée plus bonnet plus pays nordique, là tu sais que ton vlog il sera incroyable. Je pense que c'est mon prime. Tu vois, quand vous me voyez dans un pays comme ça où il fait bien froid, avec des gants, etc., des sapins de Noël et des couleurs de partout, tu sais que t'es au milieu d'une bonne vidéo. Bon, il nous reste le château de Rosenborg, etc., il fait bientôt nuit. Il est 15h30, hein. Pour te le dise. Malheureusement, vu qu'ils ont mis quand même un petit peu de temps à nous servir, je pourrais pas faire tout ce que je veux parce qu'il faut que j'aille au Major. Non, c'est pas un Major, mais bon, faut que j'aille au tournoi de CSGO là. Faut que j'aille soutenir Vitality contre Navi. Donc il nous reste un petit peu de temps et faut aller faire vite là. Ouais, il est au château de Rosenborg. Oui. Tu veux que j'achète ça à Maï? Tu penses que je lui achète ça? Non, celui-là, à gauche là. À gauche? Ouais. Ça là? Ouais, ça c'est parfait. Franchement, je pense que j'achète ça à Maï, elle me laisse pas passer le pas de la porte. Hein. Elle a bien raison. Elle aurait bien raison. Ah, je trouve que c'est son style. Non, mais en vrai ajoutez de la couleur à vos garde-robes, les gars. Non, mais en vrai. Après les gars, ouais, c'est mais pour les meufs, ça peut dire mettre un truc quoi. Ouais, bah, ça pourrait, ça, c'est unisexe, c'est ça gros. Merci, on tient un truc là. Attends, tu peux. Non, mais vas-y, parce que tu nous expliquais quelque chose. Non, je disais que en fait, c'était la vraie forme. Là, les boules. Ouais. Ça, c'est le Bangala en fait. Il y a vraiment cette. Ça, c'est un air et tout. Donc, en fait, tu dis que c'est bien reproduit. C'est bien reproduit. Exactement. Du coup, les amis, petit point culture, on arrive au château de Rosenborg. C'est un château qui date de la Renaissance et qui a été fait par des Néerlandais. Et surtout. Et là, Mathéo va vous mettre des images. C'est un château, vous savez, c'est quoi sa particularité? Dedans, il y a les joyaux de la couronne danoise. Oh. Donc, une immense couronne, des bijoux, des trucs de folie. Et c'est donc un des plus beaux châteaux dans un grand parc en plein milieu de Copenhague. Dommage que ça ferme à 16h. Dommage qu'à 16h. Il ferme à 16h, quoi. C'est à 17h, il faut. C'est vrai. Mais attendez, je vais vous le montrer. Yanis. Ouais, c'est moi. C'est des canards ou quoi, ça? Ouais, vous, le château, vous en battez les couilles. C'est des canards ou des oies? Attends, mais vous avez un château millénaire devant vous. Vous en battez les couilles, par contre, c'est des oies ou des canards, ça, y a pas. Ça vous chauffe, ça. Hein. En commentaire, vous me dites. D'ailleurs, vis-à-vis de ce château, vu que c'est la deuxième fois que je viens, j'ai déjà pris une photo Insta juste devant. Et cette photo Insta, elle a une particularité. C'est quoi la particularité qui vous saute aux yeux de cette photo? Il y a de la neige. Il y a des cheveux. Voilà. Quand je suis venu il y a 2 ans, j'avais des veuches. Voilà. Non, mais j'en ai encore quand je les laisse pousser. C'est juste que. Ça ne sert à rien. Disons qu'il y a une triste réalité qui est passée entre temps. Ouais. Le château de Rosenborg. Ici, dans le parc. Ah, mais regardez-les, les. Mais... Les vous êtes vraiment. Mais regardez, c'est débile. Mais pourquoi je ramène mes potes ici? Vous êtes trop cons, sérieux. Méritez pas de culture, là. Mais Théma, c'est crétin. Il a 30 ans. Mais laissez-la tranquille, wesh. Vous êtes des abrutis. Oh, les Français qui foutent n'importe quoi en voyage, là. Bon, par contre, je regarde l'heure, et il y a Vitality qui joue dans 25 minutes. Petit brunch danois.
de ce dimanche matin. Le petit déj qui fait kiffer ta femme. L'avantage de Copenhague, c'est que au jeu des monuments historiques en plein centre-ville, il y a beaucoup de villes qui passent derrière quand même. Hein. Christianborg Slot, c'est un château du 12e siècle, avec des statues, des salles de réunion, des bails. Château du 12e siècle, il y a sûrement une bonne demi-douzaine d'hommes morts dedans sûrement aussi. Peut-être un peu plus encore. Copenhague jour 3, dernier jour. On est chargé. Voici la sacoche que les Parisiens qui m'ont volé ont cru c'était un PC portable, les connards. Aujourd'hui, il nous reste le restaurant, le retour. Et surtout un nouveau jour à la Blast pour retourner voir Vitality face à une équipe danoise. Autant dire qu'on sera à l'extérieur. On va aller voir ça. Blast jour 3 les amis, ça se passe mieux pour Vitality cette fois. Hein. Il y a égalité hein. C'est en train de gagner. Bienvenue dans la salle de presse. C'est bien foutu quand t'es journaliste e-sport. Hein. Il y a de la place, t'as une connexion, on est tous là avec nos PC, des petits écrans pour suivre. Non franchement c'est bien branlé, c'est bien branlé. Faut quand même temps de regarder le match, je me permets de voir les images de ce vlog. Et je me rends compte que il y a des trucs intéressants. Hein. Franchement, dédicace à Blast, vous faites vraiment du sale et c'est très très agréable de venir voir des events ici. Ça fait deux fois que je vais dans une ville et que comme par hasard, quand je suis dans cette ville, il y a un Major ou un truc comme ça. Je suis à Berlin en août, il y avait le Starladder en même temps. Je vais à Copenhague en 2021 et il y a la Blast en même temps. Et la Blast, qualité mon pote. Vitality vient de perdre la première carte alors qu'il gagnait 12-8, 16-12. Et l'ambiance est monstrueuse mon frère, franchement, il joue à l'extérieur quoi. C'est dur. Bon bah en parallèle 1-0 pour Lyon. Hein. Même au Danemark, cette équipe me suit. Hein. J'espère que ça finisse bien. Bah d'ailleurs, en parlant de fin, c'est la fin de ce vlog, les amis. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai vraiment bien kiffé. Comme d'hab, si c'est le cas, vous n'hésitez pas, les commentaires, tout ça, machin, c'est fait pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao et merci Blast.